fait la présenter un bilan foire qui t'est faite d'Amiens du 1er au 3 mai 2014. Faut dire au départ que foire là, c'est généralement le ministère de l'Agriculture avec le ministère des Affaires sociales qui organisait, qui mettait ensemble pour organiser foire là et nous saluer. Mon dans le ministère du Commerce qui parle là et avec nous et matin, mais qui contribue en pile pour réaliser foire là. Foire là, c'est une activité qui était groupée, réunie plusieurs secteurs économiques dans le pays. Comité Foire là, nous commençons le travail pour organiser Foire ça depuis le mois de janvier 2014. Nous avons invité de monde pour venir participer dans Foire là. Nous travaillons avec eux, nous réunissons entre nous, nous faisons projet, nous présentons budget, etc. pour Foire là, qui a réalisé pendant 3 jours. Ça y est. Voilà, c'est une foire qui réunit tout secteur économique dans le pays, agriculture, industrie, commerce et toute l'autre qualité service. Nous constatons que il y a un pile exposants qui sont artisans. Sous 300 exposants qui étaient gagnés dans la foire là, 38% c'était artisans qui fait des produits généralement à base de matériel végétal. Ils fait peinture, ils fait sculpture, ils fait et poterie. Et tout est, bah, ça y est, exposé dans la foire là. Nombre total d'artisans qui étaient dans la foire là, ils étaient occupés 38% du nombre total des exposants qui étaient gagnés. Après, artisans, ils joignent produits agricoles bruts et produits agricoles transformés. Eux-mêmes, ils étaient représentés 32% dans le nombre total exposant qui était gagné. Après, produits agricoles et produits transformés, où tu as rencontré production animale. Et ça t'est représenté environ 14% des exposants qui étaient gagnés dans la foire. Après ça, vous venez rencontrer les produits industriels parce que tu gagnes un pile grand nom industrie nationale là, qui était présent dans la foire là tout. Et industriel, tu représentais 4% dans total exposant yo. Et puis finalement, tu gagnes le secteur des services, tant coup banque, tant coup et maison de transfert et tant coup tout ça, qui t'est représenté 2% du nombre total des exposants. Voilà, donc tu es déroulé pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ça y est, nous, estimation que nous faisons, il y a 850 000 personnes qui visitaient la foire là. Et organisateurs ont mis en place un système d'enquête, un système de comptage, d'estimation de foule qui permettent nous. Ouais, que gain eu près de 850 000 monde qui pendant 3 jours
visiter Fouarana. À titre posthume, présenté en plaque by yon moun qui depuis longtemps t'es toujours c'est en fait en quelque sorte nous suivre chemin pour réaliser foi nous sommes faire. C'est lui-même qui était toujours à ban nous coup de main pour nous réaliser différents fois différentes activités promotion agriculture dans le ministère et je dis à le pas là c'est pas parce que le pas là pour ne pas honorer puisque tout ça nous réaliser nous suivre trace exemple il était quitté et n'a pas parlé au nom de madame Eline Mistal qui n'entend longtemps depuis plusieurs années était toujours bonne backup et je dis à qui au-delà qui allait et famille ni là n'a présenté plaque d'honneur ça que ministère de l'agriculture gouvernement en entier présenté pour voyer remettre madame Eline Mistal à titre posthume qui allait au-delà et famille ni là pour recevoir le poulet avant que nous passions la présentation bilan. Au nom du ministère de l'Agriculture, au nom du ministre Thomas, au nom de tout gouvernement, nous présentons plaque ça by madame Eline Mistal pour tout gens qui te kon bay courage li nan réaliser différents fois dans le ministère de l'Agriculture et jodia côté le coucher que courage te kon bay yo force li il te kon investi dans l'état récompensé même côté li au-delà. Nous remettons plaque ça bay à titre posthume à madame Michael Sajous. Merci secrétaire d'État. Et c'est avec consternation que m'a recevra plaque ça que décerné à titre posthume à PDG de la promo foire et service madame Eline Mistal. Moi je manque pour me remercier ministère de l'agriculture et pour me remercier en nom de Eline qui va là. Vu l'émotion que moi senti, m'a dit au profond du plus profond de mon cœur un grand merci de la part de Cédric Sylvain qui pas de cas avec nous aujourd'hui, hein, le fils d'Eline Mistal et de sa fille Florence Sylvain. Merci au nom de la famille Mistal et au nom de la promo foire et service. Merci secrétaire d'État, merci tout le monde. Agronome Durand, merci aussi.